Et yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory. Oh alors, dans cet épisode, on va continuer ce qu'on avait fait, ce qu'on avait commencé lors du dernier précédent épisode, c'est-à-dire on a débloqué quelques petites technologies là. Relais dimensionnel. Le relais dimensionnel permet d'envoyer des ressources dans un espace de stockage dimensionnel. Les ressources peuvent alors être utilisées via l'outil de construction. Ou les établis comme si elles étaient dans l'inventaire du cul. C'est super fort. On n'a plus besoin de stocker 20 000 trucs là sur nous, c'est trop bien. Alors, je suis allé chercher un peu de minerai là, forcément. Hop, alors, on va faire comme ça. Et on va faire de l'UME réanimé là. Voilà, on va faire une vingtaine, je crois pas que ça suffise, mais peut-être pouvoir avancer un petit peu sur tous. Fluctuateur. Ah, on a peut-être pas encore cette technologie là. On va peut-être pouvoir débloquer celle-là alors. Mince. Bon, il me faut 11 fluctuateurs trucs là, et les fluctuateurs trucs, il me faut du fil. Ça j'en ai. Et du tuyau d'acier. Ah merde, ça j'en ai pas. T'en as pas qui traîne là non quoi par hasard? Ah. C'est ballot ça hein. C'est quand même couillon. Tac, tac, tac. On va aller chercher des trucs en acier là. Mais je peux le faire au moins. Ah ouais. C'est 6 par machin. Ah bah attends, je vais tout faire. Je crois que je vais devoir tout faire là, utiliser tout. Même malgré ça, j'aurais pas du tout ce qu'il faut. 6, on faut combien? 126. Ouais, je vais pas voir ce qu'il faut. Sniff. Sniff. C'est pas grave, de toute façon on a un autre objectif aujourd'hui. C'est que je voudrais faire de l'exploration un peu plus poussée. Et comme qui dit exploration un peu plus poussée dit je vais avoir besoin d'un petit peu de meilleur équipement pour me débarrasser des monstres qui traînent, qui squattent un petit peu toute la map. Alors si je veux faire d'exploration poussée, c'est principalement pour débloquer pour aller chercher les différents disques durs et débloquer toutes les recettes un peu secrètes, tous ces trucs là quoi. On va tout prendre en passant kikiner. Et une fois que j'aurai toutes les recettes secondaires, enfin les recettes alternatives, ouais ça c'est ça. Les recettes alternatives, moi je pourrais vraiment. Il y a certaines choses qui sont vraiment mieux à faire, hein. Comme je vous disais, par exemple l'acier, etc. Je pourrais avoir une vraie production d'acier. Je pourrais avoir d'ailleurs qu'on modifiera, parce que c'est vrai que ça c'est une de nos premières toutes petites usines. Bon, ça fonctionne, hein. Voilà, faut pas dire. C'est pas forcément le plus, le plus optimisé, hein. Hop! Donc on va retourner tranquillement à la base, on va aller débloquer une techno, là on peut pas en débloquer deux, donc on va faire des fluctuateurs machin là. Et on va débloquer la techno. Parce que j'ai vu qu'il y avait une techno qui permettait possiblement d'améliorer la prod. Alors c'est intéressant. Fluctuateur truc. Je vais en faire 10. Je vais pas en faire 10 parce que je suis complet au niveau de l'inventaire. Jamais la bonne idée de mettre ça, on en a toujours besoin, ça je pense j'en aurai un petit peu moins besoin. Ok. Bon alors on va débloquer ça déjà.
Potential for harnessing alien energy completed. Fixit has identified two development tracks requiring additional research to integrate Summersloops safely and efficiently into Fixit technology. The loop organ contains scripture, contains instruments to compose symphonies of root and rod and recycling. Shrines to evolution and revolution. Ah ouais, il me faut du Summersloop. Ah ça j'ai pas un. J'en ai pas un d'ailleurs. Donc il me parle de Summersloop, mais j'ai pas encore découvert les Summersloop. Tiens, c'est intéressant ça comme... un truc. Bref... on va foutre ça, j'ai un coffre à bordel. Il doit être là. Allez, bingo. On va foutre ça là, on va aller prendre de ça. On a toujours besoin. Et on va faire notre deuxième truc. Ah oui, donc j'ai ramené pas mal d'ordinateurs. Là j'ai produit, je suis plutôt content. On va faire notre deuxième point, 77 bons imprimables les gars. Et on va débloquer des choses là dans le magasin. Ça on verra plus tard. Rien en gestion, organisation. On débloque tout le reste. Là. Bon, ça fait beaucoup ça. C'est 13. If you sense your productivity slipping when it gets dark, don't worry, this is perfectly natural. Fortunately, Fixit lights allow you to never experience wasteful darkness ever again. Hop. Et ça là. In ancient times, humans would occasionally pretend to be goats while listening to the music recorded on this tape. It was considered high culture, the likes of which humanity might never see again. Ouais, c'est un peu couillon, tiens, bon. Ça va finir là. Alors oui. Hop, ça va finir là. Aucune utilité. Et j'ai posé les tickets. Oui, j'ai posé les tickets. Ok. Donc... on va passer au troisième point. Je veux, donc comme je disais, faire de l'exploration, et pour ça je vais avoir besoin d'avoir un petit peu de meilleurs équipements quand même d'un moment. Donc bah, je vais faire tout ce qui est production. Ça non, parce que ça demande des champignons en fait, ça c'est un peu chiant. De... production là de poudre noire pour commencer. Avec tout ce qui s'en suivra derrière. C'est-à-dire les dérivés poudre noire, truc, machin, là, je sais pas. Soufre, là, avec tout ça, là, etc. Ça, c'est déconné, etc. Tiens, je vais débloquer ça aussi pendant que j'y suis. Il faut 25 de soufre. Donc à faire. Research completed. Experimental power generation research options are now available. These may enhance performance of other fuel sources. C'est vrai qu'il y a... je débloque le charbon compacté. Charbon carburant à base de charbon compacté. Ah, ça coûte aussi... c'est plus dur. Compacted coal unlocked. It is physically smaller and more powerful, but its carbon footprint remains enormous. This fuel upgrade can be used in coal-powered generators and vehicles. Il faut que je débloque le fusil aussi. Ouais, ouais, je vais débloquer aussi le fusil. Il y a des munitions à visée automatique, comme je suis une brêle. Ça va vraiment m'aider. Hop, ça, ça dégage. Et on va récupérer de la plaque de fer. La plaque de fer, on a toujours besoin. Voilà. Donc j'ai déjà trouvé l'emplacement sur lequel je vais pouvoir faire ma production de tout ce qui est munitions, etc. C'est pas la porte à côté. Mais ça m'a permis aussi de modifier un petit peu tout mes trajets en...
Enfin, non, pas tout. Ça m'a permis aussi de modifier quelques trajets en hypertube. Donc le chemin est toujours le même. Et pour tout vous dire, c'est quelque part par là. Il y a vraiment la caisse de démantèlement en plein dans la zone d'ombre. Je sais pas où aller. Hein. Il faudra vraiment que j'y aille un jour. Donc là on monte, et hop, pour les plus observateurs d'entre vous, vous avez vu que là déjà, l'hypertube est coupé à ce niveau-là. En effet, et là il y a même un petit passage que j'ai fait à ce niveau, ici, qui me permet de relier là vers la montée, vers la production de cadres modulaires lourds, entre autres. D'ailleurs, faudrait que je fasse un petit passage qui... Ouais. Et là on va prendre un autre hypertube. C'est quand même bizarre. Bref, donc on prend l'hypertube. Qui est assez long, hein, mine de rien. Qui a une belle longueur. Donc là, hop, ici vous pouvez voir, il y a une sorte de pilier. C'est là-bas où je vais chercher. Charbon je crois. Un peu plus loin par là-bas, je vais chercher le soufre. Ah, c'est ça. Ici j'ai du pétrole. Et là je suis en train de me faire la petite zone de construction. Qui doit mine de rien avoir une taille certaine parce que je vais avoir besoin de 20 assembleuses. Ah, rien que ça. Ça c'est dommage, je peux pas le péter en fait. Ça j'ai essayé là, j'ai fait quelques... Vous voyez là, les plus gros je peux pas du tout les péter. Donc les plus petits il n'y a pas de problème là, regardez hop, les plus petits... Hop. Pardon. Attendez, je viens de péter un gros là. Des barres, je vous jure que j'en ai mis je sais pas combien et que ça les a pas cassés. Bah tant mieux, écoutez, c'est une bonne chose. Donc faisons tac 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 l'alimentation de tout ce bazar là. Les plateformes, pardon, plutôt. C'est n'importe quoi. Les plateformes de tout ce bazar. Donc en entrée, j'ai, comme je vous disais, soufre et charbon là qui descend juste là-bas là. Et j'en ai 300 et 300. Donc au niveau de la production. Oh, j'ai peut-être été un peu ricrac en câble là. Je sais que c'est bon au niveau de la prod, mais je crois que c'est bon au niveau de la prod quand même. Donc tout ça là je vais le faire en longueur. Je vais faire tout ça là sur les différentes longueurs. Et ça va me faire sortir, oui donc je reprends où j'en étais, ça va me faire sortir en tout et pour tout 600 pardon, poudre noire par minute, c'est beaucoup. C'est beaucoup mais vite, je pense qu'il y en aura vite de consommer et au pire, je pense que dans un broyeur ça fait des points, c'est très très grave. Hop. Ça. À moins que ce soit coupable. C'est dommage, c'est de la belle déco, mais c'est en plein milieu.
Hop là. J'en ai fait combien déranger. 3. 1, 2, 3, 4 et 5, voilà. On va faire tout ce qui est sorti alimentation et alimentation électrique. Ah, bon, ça c'est ballot. Ouais, j'ai 60 passages au sol à placer. Je vais vérifier qu'ils soient bien placés. Mais... Ah ouais, j'ai oublié de faire l'autre côté. Et la dernière rangée. Voilà. Donc ce que je vais faire là, c'est que je suis en train d'y penser. Je vais agrandir de ce côté-là. Faire venir l'alimentation du soufre par là et l'alimentation du charbon de l'autre côté. Donc. Là, ce sera bien groupé en répartiteur. Je vérifie que je sois bien en face. Oui. Alors là, j'ai fait un peu du. Non, c'est pas fait du pépin, c'était. Ok. Hop! Ok. Suivant. J'ai pas l'impression d'être bien en face. Ouais, non. Poudre noire là, ça va me prendre un paquet de temps. Parce qu'il y a beaucoup de machines, ça produit pas des masses. Hein. D'ailleurs, oh, je suis en train de penser. J'ai pas fait l'alimentation électrique et j'ai même pas dit la production des machines. Oh, j'ai même pas mis les. Oh, attendez, je fais n'importe quoi. Poudre noire, voilà. Copier. Coller. Pas marché là.
Pardon. Voilà. Ah bah dis. Alors. Ouais, faut que je fasse les mutations électriques maintenant. Ah, je suis vraiment limité en câble. C'est lui. Ok. Alors, on va vérifier juste. Ouais. 15 par minute, ah ouais, c'est vraiment peu. Hop. Faire tout ce qui est alimentation, sinon ça va être chiant. Mais en vrai. Oh, ils sont tous à l'envers. Non. Ah, oh, je suis dégoûté. Vous êtes tous foutus à l'envers. J'ai réussi à tous les bien tous les placer et tout. Faut qu'ils soient à l'envers. Je suis. Bon. Le principal c'est que je m'en suis rendu compte maintenant. Ok. Donc, on va devoir passer ça également. Un peu plus dur, mais là, c'est un peu le bordel. J'avoue que c'est un peu plus compliqué à. Là sur les longueurs je peux mettre du M4, c'est pas un problème. À mon avis de la production je pense pas en plus que j'agrandisse ou que j'augmente la capacité. Comme ça. Hop. Ah,
au milieu de la dernière rangée, ça c'est plus haut. Quoi? Ça va être long comme ça. Ça, ça alimente comme ça. Pareil. Pareil. Top. On a tout le soufre là qui va se mettre tranquillou. Ouais, ça on voit. Comment ça? Ah oui, bah alors oui, alors. Je suis pas relié au réseau. Ça me dit non. Voilà. Et là, ça doit envoyer par contre. Et ouais, il y a tout qui est en train de se faire bouffer là. Hop, allez, on va faire le même principe, mais avec. Différent. Sinon j'ai... Faire comme ça. C'est un peu plus chaud à mettre en place, mais après ce sera bon quoi. La partie de hop. Là on est bien. Hop. Oh oh. Je vais vraiment manquer de câbles. Ce sont des choses qui arrivent. Je vois là. Ouais, j'ai l'air d'être bon. Tac, tac, tac. On va aller chercher là-bas le. Notre arrivée de soufre. Ah tiens, j'ai pas fait ça. Ah ouais, ouais. Non, toi tu te dégages, par contre, je te jure que je te fais la peau. Voilà. Non mais où? Alimentation. Là, je sais pourquoi j'ai pas d'élec. Non, mais par contre, pourquoi j'en avais pas, surtout. Ça, je sais pas trop. Pourquoi j'en ai pas, ok. Pourquoi j'en avais pas avant. C'est une question qu'elle est bonne. Ah, j'ai fait un plouf, il fait chaud à force. Hein. Oh merde, non. Ah ouais, mais attendez, j'ai les poteaux là. Un câble. Un câble. Quelques câbles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on est censé avoir de l'électricité. Hop, là, on est bon.
Charbon. Par contre. Là, ça c'est bon, donc on a des lecs. On n'a pas de charbon. Peut-être oublié de brancher quelque part. Là, on a. Ça c'est branché. Tout ça c'est branché. Là ça va. Ça va où ça? Ah, ça va un poteau tout seul là. Ah, c'est bizarre. Ça devrait être bon. Ouais, je crois que la machin est allumé là. Ouais, il est en cours de. En préparation au, au fourrage. C'est là. Hop. On va continuer à placer nos trucs là en attendant. Même principe. Ah bah oui, mais non, il me manquait du câble. Attends, mais... La question c'est ce que j'en aurais par hasard. Pur hasard. Le hasard, des fois, il fait pas bien les choses. On va aller voir si on peut aller chercher à d'autres zones de construction, comme par exemple celle des cadres modulaires lourds. Je laisse toujours traîner des matériaux de construction. Bon, ça ira mieux une fois que... enfin, je suppose, une fois que j'aurai fait là, le stockage, comment ça s'appelle, dimensionnel, là, ou je sais pas quoi, là. J'ai hâte de voir ce que ça donne, combien on peut en stocker. La puissance du machin. Ouais, si t'as un truc comme ça, t'en fais 50. Un par... comment ça s'appelle? Un par... un stockage par... élément. Par ressource de construction. Comme ça, tu manques jamais de matériaux, quoi. Enfin, le jour où t'en manques, c'est vraiment là que t'en as plus du tout en stock. Je sais pas comment ça fonctionne après, si on peut en faire qu'un, si on peut en faire en nombre limité, non, c'est possible aussi. Ça a dû se remplir, non? Mais c'est pas rempli, hein, c'est pas un nombre... C'est bizarre ça d'ailleurs. Ah, je m'étais rendu compte aussi, j'ai fait 2-3 petites modifs vite fait sur là, sur la dernière usine qu'on a fait. Ouais, j'ai récupéré un peu de câble. C'est bon, vraiment les modifs tranquilles quoi. À l'arrêt, ça produit pas assez de cadres modulaires. Ça que je fais renforcer. Ok. Oh, ça envoie ça pourtant. Ah! Il y en a un qui a du mal avec les plaques de fer là. Comment ça se fait? Qu'est-ce que... Vache, c'est la prod de plaque de fer qui est déconnante, c'est ce point. Comment ça se fait? Je crois que j'avais construit tout ce qu'il fallait.
plaque de fer, ouais. Les lingots là. Ouais, les lingots là. Il y en a qui tournent mal. Pourtant j'en ai à balle du fer. Peut-être le temps que ça s'équilibre et qu'il y a un gros temps au niveau de l'équilibre des ressources. Ça doit être ça, hein, parce que là, ça fait une frappe d'acier derrière. Ouais, c'est ça là, ça. Ça va bien. Bon, une fois que ce sera plein, je suppose que ça devrait s'équilibrer. Genre là, au niveau du poutre d'acier, on n'est pas trop mal. Presque plein. Je suppose qu'il y a un truc comme ça, un niveau d'équilibrage. Voilà, ça l'arrête. Allez, retournons à nos moutons. Je peux récupérer un peu de câble. Je vais regarder vite fait là si j'en ai pas deux qui traînent là au niveau de. C'est à ce niveau-là. Ça, hein, on sait jamais, un peu de ça, des vis, voilà. Hop là. Ça devrait être bon. Ça prend de la place, mine de rien, tout ça déjà. Je pense que là, on tire beaucoup de la surface de ce petit lac. Hop. Ah. J'ai fait la ligne par là, moi. C'est pas malin du tout. À récupérer quand j'aurai un peu de place.
Qu'est-ce que j'ai foutu? Oh, n'importe quoi. Attendez, oh la vache. J'ai l'impression que là j'ai perdu mon. J'ai branché mon cerveau pendant des minutes. J'ai l'impression que ce n'est pas une impression. Je sens que l'impression n'en est pas une. Attendez, qu'est-ce que c'est que de... Ouais. Ouais. Là ça va. Waouh! Ah bah les deux derniers. What? Qu'est-ce que j'ai foutu? Oh là là. Ouais. Bon. Si on vérifie, on vite fait. Là, tac. Hop là. Allez, petit dernier. Hop. Pas du tout, c'est dégueulasse celui-là. Voilà. Petit répartiteur, s'il vous plaît. Là on met tout en ligne et on évite de tout décaler cette fois si possible. Je sais pas comment faire ça. J'étais la tête dans les lignes. Voilà. Ça bouge du charbon. Bonne bouffée de charbon. Ouais, là, ça a l'air de produire 300. Attendez, j'ai un coffre. Faut que je récupère. Et si, il veut bien. Voilà. Et donc tout ça, c'est censé produire notre poudre noire. Yeah! Notre récup. Comme je pense que à terme on va avoir de la. Récupération. Attendez, je suis en train de penser à un truc, c'est que là en vrai, avoir deux sources de production. Oh là là, ouais. C'est que j'ai 600 de prod. J'ai 600 en production. Et mes convoyeurs, là, le MK4, c'est quand même. C'est 480, ouais. Je vais devoir me ranger, donc je vais faire deux premières rangées, puis deux autres rangées. Ça roule, ça roule. Alors tac, hop, par là. Pas sans piquer, là. On tire le mode droit. Ouais.
j'ai mis en répartition. Tac. Alignons ça. Un truc là, va falloir que je regroupe là. Ça va être c'était compliqué ça là, encore cette histoire. Ça passe là ? Oh, ça passe impeccable. Bon. Moi je suis en train de me dire que pour l'autre ça peut-être pas passer impeccable. Bah, on va refaire une longueur. Hein. Ça m'a zappé mon clic là. Je me dis non, tu ne cliqueras pas. Tac. Comme ça. Donc là, je mets mon groupeur. Tac, paf. Comme ça. Voilà.
Oh, j'ai fait quoi? J'ai surfé sur la vague là ou quoi? Génial. Très bazar parce que... Ah non, il y avait un petit caillou. Hein. Et là on va stocker. Donc le... Oh bien. On n'est pas encore en train d'escouer. Non. On va se mettre. Bon. Chiant. Je peux pas les mettre comme il faut. Comme ça et. Voilà. Tu sais, ça va remplir là, ça va. Avec toute la production. Avec toute la prod, ça envoie. 600 par minute, hein. 300 par convoyeur par minute. Je sais pas par comment ça se stocke les machins. Tiens, d'ailleurs. Attends d'avoir. Voilà. Stock par 200, ouh, ça va vite se remplir. Très très. Ah, oh, j'ai des caisses de démantèlement de partout, merde. Comment ça, où ça, où? Il y en a qui bouge là, il y en a une là qui a bougé. Putain, elle est en plein milieu là. Non. Oh merde. Apparemment, j'en aurais une là. Là, terrible ça encore. On va retrouver les caisses de démantèlement bloquées quelque part apparemment. Oh. Là-dedans là. Ah, bon, si, je suis pas magicien. Hein. Bon. On verra ça un jour. Là déjà on a notre prod de poudre noire. Une bonne chose. Je voudrais voir quelque chose. Je voudrais voir le MAM. C'est au niveau du soufre. Est-ce que ça me demande de débloquer un truc spécifique? Il faut de la poudre sans fumée. Waouh! Il faut de la poudre noire et du plastoc. Ok, bon. On va aller chercher peut-être un peu de plastique qui traîne. Ça, c'est moins sûr par contre. Ça, c'est possiblement plus compliqué d'avoir du plastique. Oh yes, j'en ai. Pas des masses hein, par contre. Putain. Ah oui. Bah. Ah merde. J'ai plein de trucs dans l'inventaire là. Pas une boîte boîte bordel. Pourquoi j'ai du silice? Pourquoi j'ai de la silice? Mais ça n'a aucun sens. J'en produis pas de la silice. J'ai sûrement un truc que je produis pas quoi, c'est c'est original. On sur la recherche. Research completed. Smokeless powder recipe unlocked. New sulfur research available for the development of high-end weaponry and ammunition. Là, il va falloir faire de la production de poudre sans fumée à partir de tout ce bazar. Gonfler, ça c'est bien. Pourquoi munitions turbo? Okay. Il y avait pas un truc à une époque tête chercheuse? J'avoue que ça m'arrangerait un peu.
vu mon skill. Bon, comment qu'on fait Ah, bonne question. La poudre sans fumée là. Je suppose qu'il va me falloir une raffinerie. Parce que de mémoire il me faut du pétrole, donc s'il me faut du pétrole c'est qu'il me faut une entrée liquide. S'il me faut de l'entrée liquide, il va me falloir une raffinerie. Hop. Poudre sans fumée. Résidus de pétrole lourd. Ah. Ah. Ouais. Encore de la production de plastique pour je sais pas quoi moi. Bah, elle pourra me servir à terme, je suppose, de plastique ou de caoutchouc. Je vais faire ça. Hein. Bah, je vais préparer tout ça pour l'épisode suivant. En attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et bah, je vous propose de me retrouver très bientôt pardon, pour le prochain. Allez, c'était Thiob.